Moi, j'étais coiffeuse et puis après, j'ai commencé aussi à travailler avec mon mari. Ça m'amène beaucoup de joie et puis en même temps, ça m'évade complètement dans mon travail parce que je me mets dans une bulle et puis c'est comme une thérapie pour moi parce que je pars dans un grand voyage, quoi. Le processus du découpage, moi j'aime bien faire des frises. Alors je commence généralement à faire mes frises. Mais évidemment, c'est toujours au départ sur une feuille vierge. Alors c'est vrai que je dois construire. Alors après, je commence à dessiner l'intérieur. Mais très souvent aussi, je suis bloquée. Si bien que je pars me promener avec mon chien. Et puis quand je reviens, je reviens avec de nouvelles idées. Mais c'est pas. Tac, tout d'un coup, je vais pouvoir dessiner ça comme ça. Hein. Et puis, la difficulté aussi, c'est après avec le ciseau, parce que on travaille beaucoup avec. Moi, je travaille avec les ciseaux, avec la pointe du ciseau. Et puis, il faut aussi vraiment être un petit peu dans les détails. Hein. Alors, David, t'apporte. Dernier découpage. Ouais. Ah, très bon. Ouais. Ça fait un peu cathédrale avec ses, voilà, ouais. Avec ses bordures. Ouais. On pourrait pas s'imaginer un vitrail. Non? Alors super. Tu prends me faire un cadre s'il te plaît. Ah, ouais. C'est vrai que ça vient quand même, l'idée au départ vient de nos prédécesseurs, donc de Jacob Hauswirth, de Louis Sauget, et puis après de nos sensibilités, de notre vécu. Et moi je viens d'une famille paysanne, alors c'est toutes mes sensibilités que je peux créer parce que moi je suis très animale, végétale, famille, et bien c'est évidemment que j'ai aussi toutes les sensibilités de tout ce qu'on vit dans notre région. On a chacun notre patte, je veux dire, même qu'on prenne les mêmes thèmes, mais on se reconnaît dans la manière de découper, dans la manière de dessiner, qu'on le fasse de manière avec le même thème, mais on va de toute façon arriver à un résultat différent, selon la personnalité des gens en fait, et selon ce qu'on peut exprimer.